Alors là. Merde, j'ai pas pris la bonne manette. Alors là. Où puis-je aller? Donc donne-moi juste une zone dans laquelle je dois aller. Donne-moi juste un TP. Et après je fouillerai dans cette zone. Juste un TP. Pas un endroit exactement. Juste un TP et après je fouille par là. Ah l'ascenseur. C'est vrai que je voulais faire l'ascenseur déjà. Déjà je voulais faire l'ascenseur de rôle. Non mais de toute façon oui ça je voulais le faire de base. Le seul problème c'est que je sais plus où il est frère. Il est pas là? C'est pas ça l'ascenseur? Ouais, mon problème, c'est que là, c'est l'ascenseur de Dectus. Ah, il est là. Grand ascenseur de Roln. C'est vrai. Je sais que j'ai un truc avec le talisman à faire là-bas, mais ça se trouve, c'est du mytho. Madame! Ah, mais attends, mais encore une grand-mère en vie! Salut, toi! Ouais, ouais, ça c'est bon. Donc là, est-ce qu'il n'y a pas un petit chemin là? Parce que, attendez, si je regarde bien dans mes objets clés, parce que, encore une fois, assemblez les deux moitiés et brandissez le médaillon pour activer le grand ascenseur de Rold qui permet d'accéder à un chemin secret. En d'autres termes, ce médaillon secret guidera son porteur vers l'arbre sacré de Michaela. Donc là, imaginons, là je vais vers l'ascenseur, j'y arrive, j'ai le truc. Hop, j'ai le médaillon. Je l'active. Là, brandir le médaillon. Comme la dernière fois. Ça avait fait quoi la dernière fois que j'avais fait ça? Ça a juste rappelé le médaillon, c'est tout. Ça a juste rappelé l'ascenseur. OMG. Attends, mais ça tourne le truc. Ok. Merde. Ouais, ça, j'ai déjà fait ça. J'ai déjà fait ça, j'en ai pas besoin. Ok. Je veux pas y aller là. Je veux pas aller là, c'est bon, frère. Je connais ici. Ici, je connais, y'a pas de problème. C'est bon, laisse-moi me barrer de là. C'est bon, j'ai capté. Donc, c'est un autre endroit. C'est pas un truc avec le médaillon, parce que ça, j'ai déjà fait en fait. Donc, est-ce que... Il y a un chemin en bas. Est-ce que je dois descendre? C'est ça ma question. Est-ce que je peux appeler l'ascenseur? Bon, là, l'ascenseur, il est en haut, là, déjà. Là, il est là-haut. Brandir le médaillon, ça ne sert à rien. Attends, mais je peux le brandir ailleurs ou pas? Touchez-le. Oh. Message. Bonne chance. Merci, mec. Pas sauter là, ça sert à rien. Peut-être qu'il y a un chemin où je peux aller avec mon torrent. Est-ce qu'avec le cheval, là, descendre? C'est pas par là. C'est peut-être derrière après, hein. Oh merde, oh merde, oh merde. Oh merde. Effigie de Marika? What the fuck? Comment ça, effigie de Marika? Ouais, je suis là, frère. Y'a rien ici. Mais le jeu s'est foutu de ma gueule là, on est bien d'accord, hein. Le jeu s'est grave foutu de ma gueule là, pourquoi il m'a amené là, là? On a rien à foutre d'être là, frère. Le jeu se fout de moi. Trop bon, par contre, le truc pêche gingembre, énervé. Peut-être derrière. Non, c'est pas derrière.
OMG. Il y a un chemin là. Là, si je tape au sol, il y a un chemin. C'est quoi ça? Des papillons. D'accord. Ouais. Non, mais ça doit être vers le grand ascenseur. Mais le problème, c'est que le grand ascenseur, si je brandis le médaillon, c'est instantanément. Je suis instantanément là-haut. Qu'est-ce que c'est là-haut? Donc, je dois pas brandir le médaillon. Ou alors, je dois le brandir ailleurs. Est-ce que je brandis le médaillon là? OMG. Putain, non. Pas de quelque chose en vue, oubliez ça. Oh, y a des flèches. Oh, changer d'action. Brandir le médaillon secret. OMG. Putain, j'avais pas capté. Oh merde. Ah ouais. En même temps, c'est la première fois que je vois un truc changer d'action. Ça n'arrive pas d'habitude. J'ai lu. Bon, ça a mis 50 minutes. Ah ouais. Bah après, en vrai, j'aurais pu mettre un petit temps si jamais j'avais pas fouillé un peu plus, mais tranquille. Donc le médaillon secret qui me fait descendre plutôt que monter. Ok. Et t'as fiché depuis le début, t'as jamais lu. Mais on est d'accord que c'est avec le médaillon du coup de Albus et Aeterna. Oui, c'est ça. Donc j'avais raison quand je disais que je voulais aller à l'ascenseur de rôle, quand je disais avec le médaillon ça me fait un chemin secret et tout. Et vous étiez en mode 0 sur 20, 0 sur 20, alors qu'en vrai, c'était vrai, juste que j'utilisais pas le médaillon qu'il fallait quoi. Mais dans l'idée, c'était vrai. OMG. Rien là-bas. Menteur droit devant, ok. Je vais fouiller un petit peu autour, c'est jamais. Il y a un item ici déjà, hop. Ah, il y a pas d'item, c'est un message. Gauche, ouais, super gauche. Pas grand chose là-bas. Bon, du coup, on va fouiller cette zone-là. C'est du coup une toute nouvelle zone. Très bien. Ok. Putain. Oh putain. J'ai failli tomber. Et bon, il n'y a pas l'air d'y avoir grand chose, hein. On y va, hein. C'est des catacombes. Oh non, c'est des catacombes. Putain, c'est des catacombes. Chemin secret vers l'arbre sacré. OMG. Donc là, j'ai une faveur de Mickey. Attendez, là, ça sent le boss derrière la porte. Ok, on y va. Alors... Qui se cache derrière cette porte, vers le chemin, vers l'arbre sacré? Ah, rien du tout. Je m'attendais à un boss et tout, mais non. L'œil de bête se met à trembler. Ah, et je vais pouvoir donner du crack à l'autre. Putain. Je vais pouvoir amener du crack à Gurank. Chotel de milicien vulgaire, nice. Je suis un peu son fournisseur de crack, hein. Ouais, je sais quoi ce bruit de fouille, hein. Il y a des bruits à gauche à droite qui sont effrayants. Qu'est-ce que c'est que ça? Wow, 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 wow. C'est quoi ces mobs, frère? Ok. Bon, il faudra que je fasse attention ici, ça a l'air d'être la guerre. Ça a l'air d'être une sacrée guerre ici. Mais si Gurank, j'ai été le voir après avoir battu ma Kekette, j'ai été voir Gurank, il était encore là, donc je pense qu'il peut encore prendre du crack. Putain, il a le temps de taper, je suis dégoûté, frère.
tue les autres. Oh, ça par contre ça me one shot. Ça par contre ça me one shot évidemment. Allez, on y va. Un peu crevé, encore un petit peu crevé là, c'est pour ça que j'ai galéré à faire le boss, ouais, les gars. Moi je vous le dis, c'est pour ça que j'ai galéré à faire Godfrey. Parce que je suis éteint. En vrai, décalage horaire, tout ça, vous connaissez. C'est pas que ça va, mais bon. Aïe. Wesh. Wesh, ils sont trop vénères. En fait, franchement, il faut que je les aggro. Oh, le bruit. Oh, le bruit de mob est ignoble. Le bruit de mob est ignoble. Ah, c'est vrai que j'ai pas lu les souvenirs de l'autre là. Souvenirs de machin là, c'est dans les objets clés? C'est pas dans les objets clés si. C'est dans quoi déjà? C'est pas ici les souvenirs non. Ils sont là les souvenirs. Souvenir de Horaxlou, façonné par l'arbre au monde. L'augure des doigts pour extraire le pouvoir si il sommeille, machin, machin. Quand Godfrey, premier seigneur d'Elden, fut dépouillé de sa grâce et devint sans éclat, il rassembla ses compatriotes et quitta l'entre-terre à leur tête. Une fois le pèlerinage des sans-éclats achevé, Godfrey renonça à son titre royal pour redevenir un humble guerrier. Du coup, il est passé de premier seigneur d'Elden à guerrier, alors que je pensais que c'était l'inverse. Je pensais que de base c'était un guerrier et qu'après il était devenu seigneur d'Elden. En fait, il a rassemblé plein de sans-éclats, il a fait une petite armée. Putain, cette attaque va trop vite, frère. Aïe! Aïe! Ouais, je suis parti de son armée, mais bon, moi je suis pas. Il m'a pas parlé, hein, le cousin. Il était guerrier, puis seigneur, puis guerrier, ok, ouais, c'est ça, ok. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est le goat, en fait. Godfrey et le goat. Voilà, c'est tout ce qu'on doit retenir. C'est que les mobs là-bas me cassent les couilles là, j'aimerais bien les taper et au moins les aggro, tu vois. Bon, est-ce qu'il peut venir vers moi lui? Il tire quoi? Il tire de la malmort là? Quel mob horrible hein. Quel mob horrible ça. Hein. Il va taper les autres, ses autres compatriotes là? Fait très mal à lui par contre. Voilà. Parfait. Oh merde, j'en ai pas vu. Ok. Ah, le mob me dérange. Allez, crash. Attends que ce soit fini, je saute dessus, je te mets deux hits. Le mob est trop ignoble, je le jure. Bon, je vais juste le tuer au moins une fois pour lui montrer que voilà, je peux le tuer. Et c'est blocage. Super. Oh bâtard. Non, rien derrière, j'avais pas vu. Allez par là. Qu'est-ce qu'il y a par là-bas?
aller par la gauche. Ok, il y a un site de grâce, nice. Là c'est bien. Le problème c'est que là-bas, si je sors... Ok, là-bas ça a l'air d'être une sortie. J'ai pas envie d'aller là-bas maintenant. J'irai là-bas après. Je vais d'abord finir les catacombes. J'aimerais terminer les catacombes avant ça. Parce qu'il y avait un chemin à gauche encore et j'imagine qu'il y a encore des chemins en bas. Non, peut-être pas en bas en fait. En bas, il y a vraiment rien. En bas, à part de l'eau, il y a vraiment rien. Ok. Ouais, bon. Là en face. Un beau chelou, quand même. Ah ouais. Ma OS là. Oh, y'a pas grand chose ici hein. À part bon, cette grosse... cette grosse merde là. Mais sinon, ça va, tu vois. Je vais quand même récupérer mes runes, je vais quand même les tuer. Mais ces mobs sont... Ils me tiltent. Je les trouve très très moches. Non mais non, il y a forcément un truc. Regardez, il y a un chemin là-bas là, il y a des trucs. Il y a un chemin caché, c'est sûr. Non non, il y a un truc. C'est qu'il faut que j'arrive devant sa tête là. Merci. C'est bon, t'es mort mec. Ah non, il est pas mort, merde. Putain, je pensais qu'il était mort. J'étais en mode bah pourquoi il décide. Pourquoi il dépop pas là. Ah, y'a pas un chemin caché. Utilité. Ah c'est chelou. Y'a un chemin encore quelque part. Ok, y'a un truc genre... Oh merde. Merde. Dis pas qu'il y a genre un chemin, t'es là, tu te mets là. Et genre bluff, y'a un mur caché. Un pont caché. Non, impossible frère. Ah mais non, y'a rien en fait. Ça c'est juste des endroits de merde comme la Baïa en fait, avec de la lumière. Non, y'a que dalle. Ouais, y'a un item en bas en fait. Hein. Y'a un item en bas, hein. Saut de pouvoir, non, non, non. Je connais les sauts de pouvoir, par contre, c'est peut-être là. Peut-être là où il y a un truc à faire. Vas-y, tu sais quoi. Oh, c'était sûr. C'était sûr. Oh, par contre, là, les gars. Ah, par contre, c'est relou, là. Ouais. Je me disais. Scarabée d'argent. Un médaillon. Augmente la découverte d'objets. Oh. Bref. Bon. Mais là le problème c'est que là maintenant. Moi je sais. Ok, je suis ce mec. Ah merde, il est tombé. Je vais aller là-bas ensuite. Oh non, mes frères. C'est quoi cette merde? J'ai des murs cachés, mais après tu vois, le pont qui est ouvert, ça, tu te doutes qu'il y a un truc. Là, tu te doutes qu'il y a un truc. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait ça, mais bon, grâce au message, j'ai sauté.
Voilà, ça garçon. J'y vais, j'avance. C'est que c'est plus vers la droite, j'ai l'impression, le mur, chien. C'est plus vers là, le mur. Et après, est-ce que c'est tout droit? Et je saute, j'en ai rien à foutre. Oh putain, oh putain! J'avais pas eu bande de con. Ok. Donc, en fait, si je vais vers le côté, il y a un chemin. C'est que là, il doit y avoir un truc vers pour descendre. En face, il n'y a rien. En face, on est bien d'accord qu'il n'y a rien. Donc là, je veux vraiment essayer d'aller par là-bas. Le seul problème, c'est que là, si je vais tout droit, est-ce que je suis pas dans la merde? Attends, je vais essayer d'aller vers le chemin là-bas. C'est un genre de petit chemin. Eh, mon frère, on suit, hein, on suit. Aïe. Et moi, je suis, hein, le message, hein, merci, hein. Voilà, je peux prendre l'item en bas. Attends, mais après, c'est peut-être un chemin qui m'amène là. Peut-être un chemin qui m'amène là. Oh putain. Il aurait trop pu me baiser une dinguerie. Ok, après je descends. J'arrive là, je passe dans la fenêtre. De héros. Oh putain. Oh, il y en a du mob là par contre. Hein. Oh, y'en a du mob là. Oh, y'en a du mob là ici. Oh, bordel. Oh, bordel, c'est sport ici. Hein. C'est vraiment des salopards, France Sofer, à te mettre ce genre de chemin de bâtard là. À te mettre ce genre de chemin d'enfoiré. Ah, il y en a plein qui l'ont jamais fait dans le chat apparemment. Ils ont jamais fait cet endroit. Mais en même temps, tu vois, ça te dit, il y a un truc, l'œil de bête se met à trembler, donc il y a forcément un truc. Tu te doutes qu'il y a un truc, tu vois. Là par contre. Vers la droite, voilà. Ça va, tu vas tout droit. Je saute. Merde. Ok. Saute ici. J'arrive là. C'est qu'il y a cette merde là-bas qui veut me sauter dessus. Oh, il... oh le bâtard, j'ai même pas eu le temps de réagir. Ben, ces mobs là, ils sont vraiment ignobles. Hein. Ils sont vraiment, vraiment, vraiment ignobles. J'ai envie de clear un peu parce que j'ai envie de voir un peu ce qu'il y a dans la zone. J'ai envie de bien fouiller proprement. Pire que les mains araignées, non. Non, non. Je pense qu'il n'y a pas de mob pire que les mains araignées dans le jeu. Je n'ai pas croisé de mob qui m'a fait le même effet. Vraiment, les mobs araignées, c'est une infamie. Vraiment une infamie. Ouais, je sais, garçon. Est-ce que je peux toucher celle-ci? Je peux pas. Oh, il joue rien. Oh, il joue rien. Arrête, lâche ça. Pitié. Oh putain, c'est trop un enfer! Je prenne l'objet derrière. Il y a un genre de levier, je crois, derrière. Il y a un levier derrière. Putain de merde. Il y a un levier. Du coup, je dois passer par là, activer le levier, faire le truc. Oh, l'enfer. Après, ça me farme des runes, hein, mais bon. Les runes, en vrai, je m'en fous un peu, quoi. Bah, nous, dans les boss, j'ai raté quelques streams. J'ai tué pas mal de boss, là. Je viens de terminer Godric. Godfrey.
Trigodrigue, bon ça fait un petit moment quand même. Déconner. Je sais même pas si sauter sert à quelque chose, mais bon, sait-on jamais. Est-ce que le mob descend? Signé là. Merci. Un vieux croc. Voilà, on tire le levier. Parce que je me doutais bien qu'il y avait un levier, il y avait un truc. Et on avance. Porte lourde s'est ouverte quelque part. Ouais, mais où? Je peux pas. Oh putain, c'est vrai qu'il faut que je retire le message toujours. Ça, ça va. Les trucs miniatures, on s'en fout un peu. On les déchire. J'aime bien les fouiller là-bas au fond. Oh bâtard, il y en avait un autre. Quand même mal les mobs ici. Est-ce qu'il y a un truc dans le mur là? Y'a rien. Ok, donc on a pris les items qu'on avait à prendre ici. On a clear les mobs qu'on avait à clear ici. On a pris le portail là-haut. Donc on va aller en face. Et là, c'est la porte qui est découverte. Ah, et un autre chemin par la droite. Attendez. Quel est donc ce chemin? Ah, ça peut être pratique ça. Ça peut être pratique, peut-être. Je ne suis même pas sûr. Hein. Ah, mais où ça? Talisman dragon magique plus 2. Ok, non, c'est juste pour un talisman, d'accord. Donc descendre après n'a pas vraiment d'intérêt. Ok. C'est quoi le talisman dragon magique plus 2? Énorme. Améliore énormément la résistance au magie. Aux dégâts magiques, ok. Durant l'âge primitif qui précède à l'arbre monde, les dragons anciens régnaient en maîtres et on raconte qu'ils protégeaient leur roi en formant un véritable mur de pierre. Ainsi, une silhouette de dragon est de nos jours un symbole de protection universelle. Ok, stylé. Bon talisman, mais il ne sert à rien. Après, il y a peut-être un truc là dans le mur. Vachement là. C'est que si j'appelle l'ascenseur maintenant. Non, ça va. Un truc là? Y'a rien. Peut-être un truc en dessous l'ascenseur. Y'a rien. En dessous de l'ascenseur, y'a rien. Bon bah écoute, on va aller faire le boss hein. On va aller faire le boss, on va se faire casser la gueule par le boss, c'est parti. Ah, c'est que je dois faire le chemin à chaque fois. Dans l'enfer. Quoi comme boss? Oh non, c'est moi-même. Oh non. C'est vrai que je suis en slip. C'est vrai que je ne tank pas. Ah ouais, bah ouais. Un main de moine de la flamme noire. Ah, c'est donc ça ce qui ressentent les mobs quand ils me tapent. Ah ouais, stylé. Oh bordel. Amon jura allégeance à la flamme noire décide, devenant ainsi le premier moine gardien du feu renégat. Mais peut-être serait-il plus juste de dire qu'il a fui la flamme des géants par couardise. Morte fleur, ok. Bon, par contre, est-ce qu'il y a un truc à faire avec le l'ascenseur? C'est vrai qu'on aurait pu se battre au point. On aurait pu se battre au point. Mais bon, je savais pas que ça allait être ça comme mob. Check. Il a start la quête de Gank. Ouais, Gank a déjà pété un câble. J'ai déjà calmé le bouffe. Le
Ennemi droit devant, bah y'a rien devant. J'ai fumé déjà. Attendez, mais y'a rien ici. Toujours en pure brute, ouais. Merde. What the fuck? Non mais pourquoi y'a des mobs encore en bas? Je les ai pas tués les mobs en bas. Comment ça se fait? Ah y'a, je suis pas allé là? Ah mais je suis là, putain de merde, ok je vois. Donc là c'est la sortie du truc, ok. Et c'est la sortie où il y a le site de grâce, c'est ça. Et là après je vais pouvoir avancer. Allez, on va mettre un peu d'ex quand même. Chant enneigé consacré. Ah, c'est là. Ah, je suis en bas là, ok. Bon, on voit que dalle, frère. C'est un enfer. Hein. On ne voit rien. On ne voit rien. Bah, GG. Ah, ça pète les couilles en fait. Attends, je vais prendre une partie de la map déjà. Je vais aller chercher le point de la map. Oui, loup, ouais, ça allait. Ta gueule. Wesh. Wesh. Oh, y'a un mec qui me court dessus, qui me tire des flèches. What the fuck? What the fuck? Il va pas me lâcher lui. What? Attends, mais c'est quoi ce bordel? Non, laissez-moi juste prendre la partie de la map là. Oh là là. Oh, juste prendre la partie de la map. Putain, je peux pas. Si, je peux peut-être par là. Ça va. Ok, une autre grâce. Let's go. La zone est horrible. La zone est légit horrible. Ok. Lâche ça, Dougo. Alors, qu'est-ce qu'il y a par là? Il y a un arbre là-bas, il y a des runes là-haut. Je vais aller faire l'urine. C'est quoi? On va aller noter les points d'intérêt. On va faire les différents trucs, par-ci, par-là. Voilà, on est content. Faire les runes qui sont là-bas. Et après on fera les trucs qui traînent, hein, tout simplement. C'est pas des runes, c'est un village. Alors, cité liturgique, mais un seau. Salut. Ça va? Je peux te parler ou pas? Ça va mec? Réveille-toi putain. J'ai goûté. Donc il y a une grâce ici. Nice. Ok. C'est quoi le nom de la ville? La cité liturgique. Ça non. Cité liturgique. Ok. Merci à toi Squalakstar pour ton sub. N'hésitez pas à vous abonner hein, si jamais comme d'hab vous aimez le contenu. Objectif repasser au-dessus des 1000 subs. Squalakstar 5 mois. Voilà. Plus petit que 3. Il y a plein de mecs qui dorment là. Qu'est-ce que vous branlez? Je vais pas parler les mecs. Est-ce qu'il faut que je tue les soldats qui sont à côté? Waouh, il a des HP lui. Oh. Tu
tank, mec. Ils font super mal, là. En plus, ils mettent de la putréfaction écarlate. Ils sont super vénères, les gens, ici. Attends. Oh. Bon, après, c'est moi aussi, c'est ma faute. J'ai été le chercher. Je l'admets. Je l'admets, j'ai été le chercher. Keblo dans la ville. OMG, il faut que je prie ici. Ça ressemble à un endroit de prière. Extrêmement droit devant. Faire un signe nécessaire droit devant. Talisman, quelle surprise. OMG. Sieste en tailleur. Faut que je dorme. Non, faut que je me pose comme lui en fait. C'est quoi la pose qu'il a? Se reposer. Ça va, mec? Ça se passe ou quoi? T'es bien? C'est un mytho, wesh. Il m'a menti. Déjà, je suis hardstuck dans la ville, là. Ah ouais, attends, il y a un truc là-haut. Il faudrait que j'arrive à débloquer les différents sauts, ici. J'ai bien compris que c'était fermé par un saut. C'est comment débloquer le saut? Ah là. Ah là. Allumer les torches des 4 statues dans la gelée éternelle. Ok. Ah. Il y en a une là-haut. Est-ce qu'il y en a une sur le côté? Ah vraiment? Il n'y a pas une là. D'accord. Stylé en vrai comme endroit. Hein. C'est chill surtout. Quoi? Non. Pas ces gros connards, je ne peux pas y croire. Pas encore eux. Oh. C'est tout sauf chill ici, bordel de merde. Faut que j'aille en scred. Oh putain! Quelle zone de con! Oh, je suis dépité, quelle zone de connard! Oh. En fait, faut que j'aille full fufu. Oh la zone de gros con! Oh, c'est que je peux pas le voir en fait. Comment je fais pour savoir s'il est là? Je vais sur les murs. Si je vais sur les murs, il me verra jamais, non? Si je cours à fond. J'ai trop chaud. J'ai trop peur, frère. Où sont les statues? Où sont les statues, pitié? Pas qu'il y en a plein des assassins partout. Je regarde les traces de pas dans la neige. Il y en a pas, il est pas là. Il est pas derrière moi, c'est bon. Mais là par contre je peux bourrer là, j'ai ma rivière sanglante, ça passe. Est-ce que j'ai vraiment la nécessité de faire cette merde? J'ai pas besoin de le faire en vrai, on s'en fout. Il faut que j'allume 4 torches, 4! Nah, but. Comment? Comment allumer 4 torches? Comment j'arrive là-haut déjà? Je peux même pas appeler mon cheval, mon canasson. Je suis dégoûté. Je n'ai trouvé aucune torche depuis le début.
Il y a une échelle là-bas, attends. Faut que j'aille là-bas, ok. J'arrive à aller là-bas. Merde. Merde, faut que je remonte. Il est derrière moi. J'ai entendu derrière moi. J'ai peur. J'ai peur, j'ai chaud. Je suis effrayé. Ok, faut que j'aille sur les toits comme ça. Il est derrière moi, je l'entends encore. Lâche-moi, je t'en supplie. Vas-y, viens maintenant. Je suis dégoûté, frère. C'est jamais, hein. Je sais pas comment aller là-haut. Bon, la façon Zef. Y'a un truc à faire là sur les... Oh non. Faire le tour par là-bas. Pas de trace de pas par là. Faut que j'aille là-dedans là. Là-dedans y'en a une forcément. Ah, je suis chase. Je perds de l'énergie, ça veut dire que je suis chase, je suis en combat. Les cours. Cavale, 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 cavale. Ah, j'ai entendu en bout derrière moi. Le mob est derrière moi. Il a mes trousses. Il n'y a pas d'échelle pour monter là-dedans. Je suis dégoûté, frère. Oh, il y a un mec là. Attends, mais wesh. C'est quoi toi? Ah, ça, toi, tu fais quoi toi? Malade lui. Où sont les bougies? Ok, il est derrière moi. Ok, j'ai entendu derrière moi. Laisse-moi cavaler, pitié. Je suis du père. Oh non, il est derrière moi. Il m'a pété mon shield, je suis dégoûté. Putain, il m'a pété mon shield et il m'a tapé après. Fuck! J'avais réussi à le taper! Je me demande, il y a combien d'assassins de merde là au loin? Quelle zone de merde! Voilà, je tiens à le dire, quelle zone de merde! C'est vraiment le summum du non-fun! Je suis dégoûté! Voilà, je vous le dis, je suis dégoûté et je ne trouve aucune flamme! Lui les torches des 4 statues, mais frère, comment tu veux que j'allume tes torches de merde? Tu sais qu'il y en a une là-haut, il y en a une là-bas aussi. Et comment je fais pour rester en hauteur? Comment je fais pour aller sur ces toits de merde? En fait, si je trouve que c'est si chaud, je descends là. Ah bah. Ah. Il y a des mobs des arcs en haut en plus. Ah bah c'est super. Ah bah là on s'amuse là en plus hein. Il y a des assassins et des connards avec des arcs. Super. Faut courir. Bah ouais ouais mais je veux bien hein, mais bon. Je me fais ouest quoi. Statue. En fait, je vois pas comment je vais là-haut. Comment j'arrive sur le toit là? Comment je fais pour monter là? Il y a un escalier? Une échelle? Il y a un truc? Il y a pas d'échelle, il y a rien. Donc, pour ça, je capte pas. Après je dois pouvoir peut-être mettre jeter un item. Voilà. Déjà là c'est bien là. Voilà, nice. Ok. Donc ça, ça régale.
Ok, après je pourrais sauter, aller toi en toi, aller là-bas. Ok. Le problème c'est que ça va m'aggro tout le monde, non? Donc là, je vais là. J'arrive là. Oh putain, mais vas-y frère. Vas-y frère. Et du coup, je dois allumer les 4 en une seule run, on est d'accord? Non. Ah, ça va. Ok, j'ai eu peur. Ça save celles que j'allume. Ok, si c'est le cas, ça va. Ah, imagine sinon. Hein. Imagine sinon l'enfer. C'est bon, maintenant on sait où est l'échelle. Ah, ça va, me régale. Et merci à toi, The Poyo Queen, pour ton sub grâce à Twitch Prime. OMG, bientôt les 900 subs, plus que 13 subs, n'hésitez pas. Si jamais vous avez un petit peu de sesterce de côté. Attends, merde, par contre. Non, c'est bon, c'est déjà allumé, vous avez raison. Je vérifie quand même, hein, on sait jamais. Hein. Vous êtes pas toujours très fiable, hein, évidemment. Hein. Vous êtes plutôt là pour troller des fois même, je viens de le dire. Faut le dire, il faut être honnête. Wesh. Laisse-moi fouiller le clé là. Ça prend endormi, très bien. Ok, des archers de partout. Ensuite, je ne peux pas aller par là. Linanika à moi. Et merci à toi, Linanika, pour ton sub aussi. Aïe, aïe, aïe. Et c'est que là, être ici, est-ce que ça a un vrai intérêt? Parce qu'après, si je descends, c'est pas ouf. Donc, en vrai, je devrais peut-être rester sur les toits. C'est que je ne peux pas aller de ce toit là jusqu'au toit là-bas. T'as pas de réel sens. Il y en a pas une là-bas au fond? Je trouve un moyen de monter tout là-haut. Wow, 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 wow. J'ai eu un coup d'épée bizarre là. Il y en a pas une là-bas là? Et donc la zone se délimite jusque là. Ok. Pas trop de gros statues. Oh putain de merde. Aveugle? Non, j'en ai loupé une autre. Dégoûté frère. Je suis dégoûté frère. Wow 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 wow. Hmeko, je t'en supplie. Il est derrière moi. Je suis en train de courir là, je suis en train de fuir. Merde, là c'est le pattern, il vient me sauter dessus, non. Voilà. Ok. Putain! Allez, plus que 3 allumés. Plus que 3 à allumer. Est-ce qu'il faut que je monte encore là? Est-ce qu'il faut que je fasse tout sur les toits? J'aurais bien dit que je me serais bien aidé de la cité de base pour trouver les statues, mais bon, la cité est en très piteux état. Donc celle là-haut, on l'a eu. Celle tout là-haut, on l'a eu. Quelles sont les autres? Il y en a une là-haut là. Il y en a une là-haut là. Du coup, mais comment je fais pour monter là-haut? Je passe par là. Et que j'arrive à passer sur cette maison là. Il faudrait qu'il y ait un escalier sur cette maison là. Ou alors que j'arrive à faire le tour de celle-ci. Attendez. Il n'y a pas un escalier qui traîne? Non, il n'y a pas d'escalier qui traîne là. Je suis en train de me faire chase. J'arrive à prendre l'escalier. Je vais prendre l'escalier. Putain. Aïe. Ah là, je suis dans la merde là. C'est que si je monte,
Comment je fais pour aller à l'autre? Je peux pas aller à l'autre. Là-bas, ça sert à rien. Le truc, c'est que je peux pas monter là-dessus. Seulement, je peux monter là-dessus, ce serait ok. Je peux monter là-dessus, je suis un connard. Je peux monter là-dessus, je suis un connard, très bien. Du coup, je peux aller chercher la deuxième, très bien. La deuxième est là-bas. Il faut que j'arrive à tuer les archers, et ce sera bon. Ok. Bon, la deuxième, maintenant, on y va. Garder sang-froid. Très très important de garder son sang-froid. Et merci à toi, Ludgui 38 pour ton sub. Grand merci à toi pour ton 6ème mois d'abonnement. Eh ben Max et Ferratio. Putain, mais j'arrive même pas à passer là-dessus. De toute façon, on s'en fout, il y a zéro ici. Ah, c'est que... Ah, c'est trop l'enfer, frère. C'est trop l'enfer, frère. Les cons, hein. Ils bombardent. Ça va être dur. Ça va être dur, ça va le faire, ça va être dur. C'est ça, ils sont là, ils ont flèche illimitée, ce n'est pas possible. Ce n'est juste pas possible. Tu me vois sur cette archer une dizaine de fois, j'ai pété mon crâne. Normal, ils pètent les couilles aussi. Genre le bon moment. Le problème c'est que quand je saute je ne peux pas roll, donc c'est un peu le souci. Il va me cramer. Ok, ça va, il m'a pas encore vu. S'il me voit pas quand je monte l'escalier, ça va. C'est s'il me tire dessus quand je suis sur l'escalier, bah... Escale égale échelle évidemment. Mais vous avez bien compris depuis le début, hein. Oh, toi dans ta grand-mère, toi tu vas prendre ce que tu mérites. Connard, voilà, tiens. Lâche ça. Ok, deuxième flamme. Nice. La deuxième flamme est là. J'ai l'impression qu'il y en a une troisième par là-bas. Attends, faudrait peut-être que je profite du moment où j'ai pas mal la hauteur pour ça. Et j'en ai allumé deux. Est-ce qu'il y en a une troisième là-bas? Il y en a une troisième là-bas. Une quatrième là-bas, mais je ne suis pas sûr de ce que je vous raconte. Je suis vraiment pas sûr de ce que je vous raconte là. On verra. Déjà, ce qui est sûr, c'est que ce deuxième archer de merde. Tu tombes, voilà. Ensuite, si je descends. Le problème, c'est que si je descends. J'ai pas grand chose. Est-ce que je peux sauter sur l'autre maison en face? Je ne pense pas. Je ne pense pas pouvoir sauter sur l'autre maison en face. Le problème c'est que si je descends, il faudrait que je trouve une autre... On va voir. Hein. Ok, je peux. Vous tombez tous. Là si je passe, il y en a une là-dedans. Putain, il n'y en a pas une dedans. Écoutez, je pensais qu'il y en avait une dedans. Dépité. Et du coup je ne sais pas où sont les trois, les deux autres. Je vais prendre l'item qui est juste en bas. Ouais, je pensais qu'il y en avait une là-dedans, mais il n'y en a pas une là-dedans. Petit arc chronique. On va tuer les archers qui restent là-bas là. Ces gros connards.
C'est que là, les deux prochains, ils sont où? Non, mais il y en a une qui est là. Il y en a une qui est depuis le début, elle est là. Bon, c'est pas grave. Vas-y, suis moi, mec. Laisse-moi allumer ma flamme avant. Putain, je suis trop con. Ok. Oh, je suis bloqué. Je suis bloqué sur lui. Ok, c'est pas grave, on a allumé 3. Maintenant, il manque une. Ok. Je suis vraiment bigleux, je l'admets. Je l'admets, je suis vraiment bigleux. Maintenant, j'imagine qu'il y en a deux qui sont vers le bas. Il faut que je fouille deux vers le bas. En fait, le truc, c'est que c'est... Ouais, ça se voit que c'était l'un des endroits où il fallait, fallait cramer le truc. Oui, c'est vrai qu'il en manque une. Il en manque une. C'est pour ça que vous disiez que j'étais bigleux tout à l'heure. Parce que j'avais pas vu celle-ci. Non. I can't. Et non, la dernière doit être vers la droite, c'est sûr. La dernière est là-haut. Elle est là-haut. Je trouve un chemin. Putain, gros connard, va. Faut que je trouve un moyen de passer par là-bas. Donc j'imagine qu'il faudrait que je passe par là-haut. Comment je vais faire? Passons par là. En passant sur ça. J'avais pas vu. J'avais pas vu ce petit archi de merde. Oh putain. Ok, bon, je sais où est la dernière au moins, c'est déjà ça. Ah, imagine, tu dois faire les 4 sur la même run. Je deviens fou. Je deviens fou, vraiment. Ah, j'ai pété un câble. Si tu sais où elles sont, ça va en une run. Non, parce que je me fais one shot vraiment trop facilement. C'est ça le gros souci. Donc ça qui est vraiment galère, je pense. Monter là-dedans. Monter là-dedans. Bon, fou, j'en avais 0, mais Osef. Non. J'ai pris une flèche, je ne sais comment. Oh, le problème, c'est qu'une fois qu'ils t'ont cramé, les mobs, ils te lâchent plus, quoi. Putain. Vas-y, frère. Vas-y, frère. Ouais, c'est que les flèches se rapprochent, là. Voilà, je les vois, les flèches. Mais putain, je voulais juste prendre l'objet. Putain, l'autre gros connard, là-haut, là, j'avais fumé. Il me faisait trop du bien de l'avoir tué, là. Ça faisait trop du bien de l'avoir tué, parce qu'après, t'as toute cette zone-là de droite, t'es libre. Les mots de pipotorant, elle me termine. Elle me termine. Elle met trop bien. Je m'en fous de mes runes, de toute façon, j'en ai pas. Dans la même rengaine, non? Enfin, jusque l'assassin est pas derrière moi, parce que l'assassin, ça peut être chiant. Vas-y, frère. Il casse les couilles. Il casse les couilles, eux. Ils sont juste là pour faire chier en boucle. Mais putain! Bon, moi j'ai pris l'item, j'aurais juste à rush après. J'aurais juste à faire un gros jump en face. Cette zone, t'en penses quoi?
C'est la pire zone du jeu, voilà, il faut le dire maintenant. C'est la pire zone du jeu. C'est un endroit de gros connard. Ah, merci. Je cours, je saute, je cours, je saute. Hyparion tirait bas à moi. Je cours, je saute, je cours, je saute. Et là, il y a une échelle. Non mais me dis pas que l'échelle, elle est juste au sol en fait. Je suis dégoûté frère. Je suis dégoûté. J'ai juste à faire le tour, allumer le truc, j'étais bien. Au lieu de ça, j'essaie de passer par le toit, ça sert à rien. Ça a été brisé dans le village. Ok, là c'est bon, je peux me barrer là. Merci. Oh non, j'ai pas le temps de fouiller le cadavre. Putain, il y a quoi sur ce cadavre? Fais chier. Bon, on devait avoir une petite rune ou un truc comme ça, j'imagine. Putain, je peux plus y retourner, pitié. Ok. Donc là, on a ouvert l'accès à la ville. Très bien. Ah, et donc là, il y a un portail, d'accord. Bon. Là, je verrai après. Regardez à côté s'il n'y a pas un truc. Avant ça, j'aimerais fouiller. Parce que toute la zone là, j'ai rien fouillé ici. Les gars, tout ça, j'ai rien fait. Je suis arrivé ici, j'ai pas fouillé tout ce qui était là. J'ai pas fouillé tout ce qui était là. J'ai pas fouillé les runes qui sont là. Enfin, j'ai rien foutu en fait. J'ai rien foutu. J'ai pas fait l'arbre qui était là. Même la ville, j'ai rien fait. Enfin, j'aimerais me balader avant d'aller là. La question c'est, est-ce qu'on prend le portail maintenant? Au pire on prend le portail maintenant, on videra la zone après au pire. Ouais au pire. Allez. On verra, de toute façon ça va m'amener quelque part, on verra. C'est pas important de toute façon. J'imagine que je pourrais revenir après. On va voir vers où ça me TP. Oh. Wesh. Wesh. Quoi? Arbre sacré de Michael. Attends mais c'est... Il y a deux arbres sacrés. OMG. Oh non mais cette zone j'ai envie de la faire après. J'ai pas envie de la faire maintenant. La zone a l'air d'être légendaire. La zone a l'air d'être magnifique. Arrêtez-vous. Bon, de toute façon, je voulais bouger de là. Ok, je peux revenir après. Je peux revenir après, j'ai d'abord envie de fouiller l'endroit là de la neige. Comme ça, ça me fera deux zones à fouiller d'un coup. C'est pas mal. Mais la zone a l'air d'être vraiment, vraiment très, très stylée. Avant ça, j'aimerais aller là. Donc champ enneigé consacré. Et comme ça, je fouille toute la zone. Vraiment toute la zone. Je fais tous les mobs qui sont dans le coin. Enfin, tous les mobs, non. Mais tous les boss qu'il y a de planqués là. Au moins comme ça, ça fait le chemin. J'ai besoin. Il me reste encore des trucs à faire, tu vois. Donc, je vais aller vers la droite, je vais aller là. Je vais aller ça. Là, il doit y avoir un truc dans ce rond. Je vais aller par là. Et comme ça, ça me fera faire un chemin tout droit comme ça. Sachant que tout à l'heure, j'ai été tout droit comme ça. Et après, j'irai fouiller les différentes ruines qui sont là, là. Les différentes ruines qui sont là, un peu. Voilà, d'abord, je vais aller vers l'est. Vers le nord-est, voilà. Merci à toi, Magic Monkey, pour ton sub. Le problème, c'est que la zone enneigée, elle est vraiment horrible à découvrir parce que... Parce qu'on voit rien quoi. Alors que là je dois aller vers le point numéro 1. Ouais, je dois aller vers le point numéro 1. Putain. Ouais. Le pire c'est que je suis sûr qu'il y a plein de trucs à découvrir dans cette zone. Pierre de Forge Sombre 8. Ouais, bon, ça je m'en fous maintenant, je peux les acheter. Mais vu qu'il y a le brouillard. Après, il y a peut-être un mob. Hein. Salut à toi. Bon, écoute, je te laisse vivre. Hein. J'aimerais bien fouiller quand même avant. Ah, donc là il y a un coffre là-dedans. D'accord. Le casque de Kaiden. Stylé.
Il faut que je tue les deux géants. Oh, doucement. Oh non! Oh, le dogo a failli me tuer. Non. Rien que sur l'AOE, même pas le coup du coup. Je vais pouvoir prendre le coffre qui est là-dedans. On a clear les gens ici. C'est quoi ça? C'est rien. Alors, une torche de Sainte Trina. Bon. C'est un médaillon? C'est un médaillon? Ah non, c'est une arme, on est bien d'accord. Oui, c'est une arme. Je comprenais pas, j'étais en mode attends, mais c'est pas normal. Torche murale brûlant d'une flamme violacée, les gravures qui l'ornent représentent Sainte Trina mais adulte, ce qui peut paraître troublant. Ok. Vous soufflez sur la flamme, recouvrant ainsi le sol devant vous de flammes violettes vaporeuses. Ces dernières infligent l'altération de sommeil aux ennemis. Ça, ça est trop fort contre les assassins là. Merci à toi, Saim 15 pour ton sub. Saim 15 à moi. Qu'est-ce qu'il y a par là? Là-bas, il y a des tombes. Donc, tombe égale des petits objets. Voilà, des petites runes par là. Ah. Des catacombes. Salut mec. Adieu mec. Alors, ça va où? Ça m'amène tout droit. Ouais, on y va. Hein. On va aller tout droit jusqu'à trouver des catacombes. Là, je vais vraiment tout droit. Allez. C'est la pire zone du jeu. Mais c'est legit la pire zone du jeu de très très loin. C'est même pas close, c'est très très loin. Peut-être en hauteur même. Non, c'est pas possible. Ah, les catacombes peuvent pas être en hauteur, si. Héros. C'est super. Allez, amusez-vous les loups, moi j'en ai rien à foutre. C'est pas un problème. Je cherche juste des catacombes de merde qui sont planquées dans cette montagne de merde. Et qui est le criminel qui a designé ça? Qui est le criminel qui s'est dit ça va être lourd de mettre une zone comme ça? Il faut le dire, ce mec est un assassin. Ce mec est un assassin de première. Non, ce mec est un criminel. Je vous jure que je préférais les égouts, hein. Je préférais les égouts à ça, là. Là, je suis en train de monter sur une montagne, je sais pas ce que je fous. Là, je suis Nokstag, là. Je suis en train de monter le truc pour rien. Lac putréfié, mais le lac putréfié, je jure que ça va le lac putréfié. Hein. Ah, je suis mort. Ah non. Mais c'est bon, y'a rien. Hein. De toute façon, on s'en bat les couilles. Tout ce que c'est qu'il y a des catacombes quelque part par là. Lâche ça, toi. Vous vous rendez compte quand même, hein. C'est la pire zone et c'est même pas close. C'est ça qui est ouf. Le tour des trucs, hein. C'est jamais. Ah ouais.
Ah ouais. Ah, c'est que lui, il a un loup qui tape. Hein. Oh putain. Oh putain, mais quelle zone. Oh, mais quel enfer. Ouvre ta map, chef. Bah écoute, ouais, j'ouvre la map là. Attends, je vais récupérer mes trucs déjà. Non. Tiens, dans ta gueule, gros connard, va! Arc d'albinoric, armure de maille en argent bleuté. Bah écoute, merci à toi. Alors, là, il y avait ça. Attends, mais je vais aller vers là-bas, du coup. Attends, ça m'amène. Attends, mais je me suis perdu de ouf, en fait. Alors, je voulais aller vers le point numéro 1, moi, déjà, de base. Oh, mais putain, il y a des trucs qui éclosent de partout. Mais c'est pas possible. On veut ta mort, ici, c'est quoi ce bordel? C'est de la dinguerie! Tu te balades, t'as des orbes électriques qui te balancent des trucs, t'es balade, tu te balades tranquille, t'as un mec sur un loup qui te balance des flèches. Eh, hey, laissez-moi tranquille, je vous en supplie! C'est quoi cette zone de fou? Ah, lâche-moi, je veux pas. T'inquiète. Merde, j'ai pas récupéré mes runes. Ok, j'ai récupéré mes runes, moi. Ça va, j'ai récupéré mes runes. Saved. T'as pensé quoi de Godfrey? Bah, mon boss préféré. Voilà, il faut le dire hein, actuellement. Hein. Il faut le dire, le GOAT. Tout simplement le GOAT. Les gars, dommage, je m'en branle. Et ça, il y avait ça là-bas. Ça, ça m'indiquait un truc par là-bas. Attends, si je fais tout droit. Vers le mur, parce que là en fait il y a des montagnes, mais en fait juste aller tout droit au fond. Là, je suis pas encore dans le mur là, si ça doit être par là. Ça doit plus être par là qu'il y a des catacombes là. D'ailleurs, j'étais pas totalement dans le mur, je crois. Ok, si, il y avait lui qui était déjà en train de se taper. Merde. Ah, là-bas, c'est... Je suis out de la map, après, là. Non, c'est bien par là où je suis passé tout à l'heure. Oh non, tout à l'heure, je suis descendu. Est-ce que j'ai été plus loin que ça? J'ai pas été plus loin que ça, là, tout à l'heure. Aïe. Pardonnez-moi. Donc là, j'ai pris le coffre ici, tout à l'heure. Oui, j'ai pris le coffre ici, tout à l'heure, pas de problème. Faire un tour là. Je peux plus ouvrir ma map, fait chier. Je suis en combat. Oh merde. Ah non, mais je suis de retour là. Ouais, j'abuse. Je fais des tours depuis tout à l'heure. On les catacombes, on les trouvera plus tard. Hein. Parce que les catacombes, elles font bien chier. Voilà, il faut le dire, elles font bien chier. C'est quoi ça? C'est pas grand chose. Oh, ça met du poison partout. Chier. C'est quoi ce truc?
Oh non. Vous devez résoudre l'énigme pour entrer. Va te faire foutre. Va te faire foutre. Faut que j'amène les deux pour qu'ils se battent entre eux. Par contre, Faut que je ramène deux gobelins là, deux gremlins qui se tapent entre eux. Mais comment c'est possible que je fasse ce tap entre eux? Prendre l'item qui est au milieu des trucs là. Il faut que je les trouve. Hein. Mais où est la tour déjà? Putain, j'ai déjà perdu la tour. Ok. Déjà, il faudrait que je trouve les deux. Pas nécessaire droit devant. Bah ouais, mais. Pas pour ça, je pense. Pour l'instant, j'en ai trouvé qu'un. Il y en a un qui se balade là, qui est là. Est-ce que le truc doit taper sur la statue, lui aussi? Est-ce que je dois faire en sorte qu'il tape sur la statue? Attends, venez. Ok. Là, je vais en faire en sorte qu'ils se tapent entre eux. Aïe. Ouais, c'est que bon. C'est qui me tue, quoi. Ok, il y a un rapport avec les deux qui se tapent, mais comment je fais en sorte qu'ils se tapent? Le problème, c'est que j'ai pas de de spell qui mind control. Je n'ai pas l'attaque dans Harry Potter. Est-ce que j'ai une incantation de petit golem, là? Il y a peut-être une incantation de petit golem, faudrait que je vois. Ça m'étonnerait, mais bon. Peut-être incantation de gargouille et je l'ai fait stop entre elles. Je vais voir. Nous sommes mes runes. On est derrière. Voilà. Je vais faire ce tap. Comment je fais pour qu'ils se tapent entre elles? Il est out. Je n'ai pas les capacités pour. Bon, allez. Je vais casser les couilles. Ah, il m'a tué. Attends, mais est-ce que j'ai un truc qui fait que je peux les faire taper entre elles? Est-ce que j'ai un sort qui marche comme ça? Parce que ça doit être ça. Dans l'idée, ça doit être ça. Le truc, c'est qu'ils respawnent. Fuck. Est-ce que je peux me transformer en ces mobs là? Je peux pas me transformer en ces mobs là, je peux prendre le skin dans des joueurs PVP, mais je peux pas prendre le skin des mobs. Ça, ça existe pas ça. Parce que je sais que j'avais un objet comme ça qui me permettait de prendre la forme du truc. Ça rédige des messages, je m'en fous, besoin de moi, je m'en fous. C'était quoi l'objet?
Est-ce que c'est avec un objet? Les potes, vous avez le droit de dire oui ou non. Ouais, je voudrais savoir, hein. Il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. Faudrait savoir, bande de salopards. Yay or nay. Item, pas item. Les salopards, ils en ont aucune idée. Aucune foutue idée. Il y a une petite statue avant. Attendez. Ça sert à quoi ça déjà? Ça sert à rien. Imiter des objets à proximité. Ok, c'est pas ça. Ah, c'est peut-être un truc dans le genre, quoi. Parce que je peux me transformer en arbre, je dois pouvoir me transformer en ça. J'avais pas qu'il y avait ça. Ah mais je sais, attends, objet à proximité, je me mets à côté de ça. Je me mets à côté des objets du truc. OMG. Mais là, et là si je mets ça. Là. Mais putain. Pourquoi? Ça sert à rien, j'ai rien d'autre là. Ça se fait pour faire des objets, je m'en fous. Comment? Ah, ça marche pas, hein. C'est pas ça, hein. Ce n'est pas ça, mais il y a peut-être un item qui te permet d'imiter un mob, peut-être. Que je dois pas le tuer maintenant. Ouais, c'est qu'ils peuvent pas se taper entre eux. Ça, je peux pas l'utiliser. Ça coûte trop d'HP. J'ai pas assez d'HP. C'est une invocation de merde, c'est une invocation qui coûte rien normalement. Oh, là c'est des mobs de fou. C'est des mobs de merde ici, non? Je vois pas. Il y a que des mobs de fou après.
Est-ce que je peux le faire même? Je dois pouvoir le faire, attends. Ça, je peux pas l'utiliser parce que j'ai pas assez d'HP dans tous les cas. Ah, je peux juste pas le faire en fait. Je peux pas le faire, pourquoi? Parce que j'ai pas assez d'HP? Est-ce que du coup faut que je fasse ça, l'alarme imitatrice? Attends, mais là du coup je comprends pas dans le chat, on est d'accord que je ne peux pas le faire. Juste je ne peux pas. Si je mets des équipements. Ils montent ma vie. Pour le truc. Est-ce que c'est ça? Ça. 543, ok. Là je passe à 543. On est au-dessus, attends. Ça c'est la vigueur. C'est les PV max. Ah, c'est à 583 max. Je peux passer qu'à 583 HP max. Avec un arc runique un peu plus. Je peux pas monter au-dessus. Ah mais j'ai juste pas l'item. Oh bah d'accord, dans ce cas-là, là c'est différent. Dans ce cas-là, je m'en fous alors. Je fouille encore un peu plus. Ok, bon, dans ce cas, tu peux retirer les motelis alors. Ah, je suis dégoûté. Hein. Je vais même pas y aller. Ah, battu, sérieux. Ah, bah, il y a une grotte. Là en face. Tout ça pour ça, y'a que dalle. Oh merde. Oh merde. Oh merde. Oh merde. Oh merde. La perte de temps est réelle, ouais, de ouf. C'est vrai que j'ai pas regardé les runes majeures que j'avais, j'avoue que pour le coup j'utilise rarement les arcs runiques. Augmente grandement l'effet maximum, augmente tous les attributs. Ouais, bon, après ça, ça me sert à rien. De toute façon, c'est pas. Je peux pas le faire, c'est. Je n'ai pas de quoi le faire. C'est tout. On est bien d'accord. C'est pas le truc, l'arme imitatrice, parce que l'arme imitatrice, ça m'imite moi. Donc, Osef. T'as pas activé les autres runes majeures, c'est vrai. Je sais même pas où les activer donc. Mais c'est peut-être des cendres. Ah mais c'est peut-être les cendres des catacombes à côté. C'est peut-être là je fais les catacombes à côté. Derrière, à côté, ça me débloque du coup des cendres. Et les cendres me permettent de faire la tour. OMG. OMG c'est ça. OMG. 0 sur 20. Dommage. Eh, écoute, on aura essayé. Hein. Alors à chaque fois, t'es là, tu t'avances, tu sais pas où tu vas. J'espère qu'il y a un moyen de retirer le brouillard. Tu vois, genre par exemple, dans l'autre zone, tu devais battre un dragon. Tu bats le dragon, c'est bon. Là, est-ce que c'est pareil? Je bats un dragon et c'est bon? Aïe.
Mais l'item que je dois trouver est galère à trouver? Je me tape là. Non? Ok. Il est pas galère à trouver, mais c'est pas le genre de truc où tu tombes dessus par hasard, quoi. C'est ça que vous êtes en train de me dire. Tu dois savoir où c'est pour aller chercher derrière, voilà, faire le truc, ok. J'ai capté. Le coffre ici? J'ai pas pris le coffre ici, attendez. Oui. Waouh! Waouh! C'est que t'as les autres qui tirent des éclairs à côté. Ok. C'est lui qui casse les couilles, non pas lui. C'est lui le rouleau. Mes runes. Des dégâts, je ne sais même pas par qui. J'ai tanké à littéralement un HP. Ok. Bon, maintenant il faut que je tue les mecs. Je tue les gros golems là. Les petits yétis. Wesh. Il faut pas se calmer le cousin. Ok, bon, bah, écoute. Merci à vous pour ça. On va ouvrir le petit coffre là. Ensuite, on va fouiller les endroits là-bas. Ah oui. Épée courbée gracieuse. Bon. Bah, y en a des trucs par là. Oh, la bien belle musique, hein. C'est un mob qui chante encore. Alors, au-dessus. Ah mais c'est les gros golems là. Ah c'est ça, c'est elle. C'est les gros minotaures là. Super armor sur le mob, ok stylé. Super armor sur le coup, ok. Bien vu mec. Mais du coup il y a deux solutions pour le truc et j'en ai aucune des deux solutions. Nah vous trollez, c'est pas possible. J'ai rien putain, je suis un clochard, je suis dégoûté frère. Laisse-moi vite fait prendre mes trucs là. Elles sont mes runes. Corne de robustesse plus 1, bien joué. Elles sont là. Par contre, toi tu m'as tué tout à l'heure, je ne t'épargnerai pas.
Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre par là? C'est qui là? Il y a ça de partout quoi, ça ne sert à rien. En fait, je vois jamais la diff entre celle qui me donne des items, celle qui me donne des runes et celle qui me donne rien. Parce que bah, je suis bigu en fait. Celle qui me donne la mana, des HP, bah là, je vois pas la diff. Rouge bleu égale potion. En fait, c'est pas ça le problème, c'est que je suis daltonien, du coup, je vois pas la différence entre eux. Pour moi, il y a deux espèces de scarabées et c'est tout. Oh, lui, il va me donner un truc, non? Ah bah il va me donner un truc quoi, une belle explosion. Bien joué à toi mec. Des ruines, nice. Alors, des petites ruines. On va regarder si jamais il n'y a pas un petit souterrain quelque part. Bon, il y a full rat, on s'en bat les couilles. Oh merde, il y a un golem, ok. Cache un item, attends. Oh non. Ok. Des géants de partout. J'en supplie, laissez-moi tranquille. Wow! Ah oui, c'est des golems modifiés par Sauron. Oh, c'est peut-être là-dedans. Hein. Non? Campement ou campement? Ouais, rien du tout en fait ici. Ok, bon, Osef. Oh, le petit rame à one shot. Le petit rame à one shot aussi, c'est vrai. Tout me one shot actuellement. Même le petit rat de merde. Je ne le puis. Donc voilà, je suis juste à la recherche des souterrains là. Pitié, juste des petits souterrains. Donc là-bas, il n'y avait rien. Peut-être un truc là-dedans là. Ah oui, voilà, c'est ça. Ouais, par contre. Ouais, les mecs. Bah, je veux bien, mais. Enfin. Ok. Je prends un peu de hauteur là. Autre là, voilà. Hop les. Et voilà, facile. Frénésie intolérable. Bon, on s'en bat les couilles, hein. C'est un spell. Par contre, là, je suis lock, là. Pardon ? Un mur invisible, peut-être ? Ouais. Ah, c'est bon. Ok, donc on a trouvé ce qu'il y avait dans ces ruines, c'est très bien. On a pris ce qu'on avait à prendre là. Qu'est-ce qu'il y avait de l'autre côté? J'avais marqué plein de points vers la gauche là. Alors oui, j'ai marqué plein de points qui servent peut-être à rien. Mais au moins, on a trouvé le truc ici. Là, il y a un grand arbre, j'imagine. Moi, c'est pas un arbre, ça aussi. On a un moussi qui va one-shot. Ah, un mob qui va spawn. Y'a un mob, ça m'a fait descendre de mon truc. Noble sanglant. Où es-tu le noble sanglant? Wesh. Bah je viens, mais t'es où? Mec. Il a envahi mon monde, mais il est pas là. Frérot. Il est là. T'es une lâchée, noble sanglant. Capuchon de noble sanglant. Toche de noble sanglant et couvre-jambe de noble sanglant, ok. Bah d'accord mec. Alors, capuchon de machin, réputé pour surgir des flaques de sang, ces assassins agissent tels des missionnaires venus répandre la parole du sang vicié. D'accord. Et le motif métallique.
majestueux sur l'épaule indique la noblesse que ses porteurs comptent bien revendiquer lors de l'avènement de la nouvelle dynastie qu'ils cherchent à mettre en place. Ok. Bon bah écoute, c'était par là. Qu'est-ce que je voulais voir là ici? J'aime pas ce que je voulais voir ici, mais écoute. Il y avait un arbre, je me suis dit, peut-être qu'il y a un truc, mais non, il n'y a rien du tout. À part le noble sanglant, il n'y a rien. Ah bah il y a des petits... Oh non, il y a un ours, ok. Il y a deux ours, très bien. J'imagine qu'il y a un item tout au bout du tronc d'arbre, c'est ça? Oh ça, c'est... Oh, what the fuck? Il y a un portail. Ah c'est ça votre sus. Ok. Comme je l'ai dit, tout one shot. Pour le coup, c'est fine, on sait. La zone est tellement grande. Pourquoi? Mais il y a encore un mob qui va spawn ici? Putain, mais mes runes, elles sont là-bas, vas-y. Bon, qui arrive alors? Qui envahit mon monde encore? Putain, il y a toujours des gens qui viennent envahir mon monde, frère. On est fatigué. Anastasia, encore toi? Encore what? On n'en peut plus d'Anastasia, c'est bon, frère. Qu'elle vient envahir mon monde. Lâche ça, wesh. Lâche ça toi aussi. Pierre de forge sombre de dragon ancien, merci. Et que elle force elle hein. Tout le temps elle est là hein. Que elle est là. J'ai la flemme d'aggro les deux ours là, ça peut être chiant. Et oui, j'ai vu le gameplay de Zelda hier, on l'a regardé tout à l'heure là ensemble. Revanche contre le caca. What the fuck, il m'a tapé tellement vite. What the fuck? Oh mais vas-y frère. Il y a toujours des mecs bizarres là. Vas-y regarde lui avec sa vieille tête là. Non non, moi je me balade là. Moi je viens de me balader un petit peu dans la zone. En fait moi, je me sens pas bien quand j'ai pas... Genre visiter une zone à peu près comme je me dis, bon là j'ai pas mal regardé. Après évidemment je vais quand même louper des trucs, c'est sûr, mais tu vois, je me sens pas bien si jamais je me balade dans une zone, je me dis bah tiens là j'ai rien fouillé ici. C'est pour ça que je me balade un peu, je fouille un peu. Oh frère, oh mon pauvre cheval. Mon pauvre cheval, mange un peu tiens. Tiens, régale-toi. J'avoue, il est en mode ouais, va faire Malenia. Eh, j'en ai rien à foutre. Je me balade et j'irai faire Malenia quand je tomberai dessus. Genre, je joue comme je le sens encore. Heureusement. Encore. Oh non, merde! Oh, j'étais dans des caca là. Bon, faut que je tue lui et c'est bon. Lui. Il m'a cassé les couilles tout à l'heure, c'est bon. Du coup, je vais voir le portail. Qu'est-ce qu'il y a dans ce portail? On va voir où ça nous amène. Alors... Ah, c'est cool. Ah, c'est cool, on voit bien, là. Ah, putain de merde. Ah, c'est cool, je suis vraiment à un endroit sympa, là. Dans le vide.
Palais de Mogwin. Oh. Oh. Oh, sympa. Y'avait pas un truc que je vais faire en... en battant Mogwin? Oh, c'est beau. C'est très très beau. Oh, j'aime bien. Tu vois, c'est pour ça qu'on se balade dans le jeu. C'est pour ça qu'on fouille un petit peu dans le jeu. C'est pour découvrir ce genre de zone. C'est pour kiffer. Sinon, pourquoi tu joues au jeu sinon? Pourquoi? C'est pour tomber sur la surprise. Ça sert à rien de jouer au jeu. Si c'est pour rush les trucs et pas de balader et louper tout, ça sert à rien. Donc là, je vais cash out. J'ai quand même 110 000, je vais cash out, il me faut encore combien? 16 000, très bien. 16 000. Bon, alors je vais mettre... Bon, le point c'est qu'il m'en faut deux comme ça. Il m'en faut deux comme ça et un de 1000. 1500 pour être sûr. Allez, 1600 pour être sûr. En vrai, l'ésotérisme scale encore mieux. Hein. L'ésotérisme continue de scale mieux que mon Ladex pour le moment. Hein. Donc ça me permet d'avoir plus de dégâts, on y va. Hein. Oh, cette zone de fou, frère. Bon, du coup, on va fouiller ça. Hein. J'ai peur qu'il se réveille en fait. Wow. Wow. Ok. Donc il y en a qui se réveillent pas, et il y en a qui se réveillent. Donc ceux qui ont des capuchons là, ceux qui ont les capuchons rouges, ils te tapent, et les autres ils dorment. Par contre, oh, l'XP de malade de cette zone, c'est une dinguerie. Hein. C'est une dinguerie. Surtout que ça soit one shot. Oh. Attends, mais là si je tue tout, là si je tue toute la zone, ça me fait genre quasiment 30 000. Et je fais ça en boucle, je fais ça 30 000, 30 000, 30 000. C'est une dinguerie. C'est broken. Et d'ailleurs, tu utilises ça, tu utilises, imaginons, je sais pas moi. Je sais pas, après tu respawn, tu utilises des trucs là, les machins de poulet là, qui font que tu régénères plus. Enfin que tu farmes plus. Oh mais ouais, par contre ils sont roulants. Oula, oula, oula. Au moins ils one shot pas. Non, voilà, c'est du chou. Parce qu'en fait il y a que 4 mobs qui te tapent. Et après le reste, il dorme. Et le reste, il donne combien le reste? Le reste, il donne 2000 qui... Non mais... Non mais... C'est de la... Frère... Quelle est donc cette connerie? C'est illégal. Oh. Ah merde, je vous ai tapé un mec qui dort. Wouah... La mine bédaille, non mais là j'ai rien mis là, je sais pas... J'ai découvert juste la zone mais je vais pas vraiment farm hein. J'ai pas prévu de vraiment vraiment farm pour de vrai, juste je les tue quoi, parce qu'ils font les boules. Ouais mais à un moment... d'énergie. 56 000 déjà, GG. Bon,
faut au moins que j'arrive au moins une fois à clair tout. Et après je me barre de là. Donc ça, ça me fait un petit cash out. Un petit level en cash out. Ouais, c'est quand tu loques pas les mobs, c'est une galère un peu. C'est les roulades man. J'ai au moins tué lui. Voilà, c'est bon, j'ai tué tous ceux qui étaient aggro. Maintenant, faut pas que je meure sur ceux qui dorment. Normalement, je fais full attaque. Full attaque sautée, et on est bon. L'abus de la zone. L'abus de la zone, frère. J'ai jamais vu une zone où je peux XP autant. Quasiment 100 000 déjà. Bon, écoute, on avance. Hein. Oula, salut. Oula. J'avais pas prévu ça, les gars. J'avais pas prévu de me battre contre vous maintenant. Donc j'ai un peu la flemme. Oula. Laissez-moi juste prendre les petits objets là à côté. Voilà, merci. Y'a pas un petit chemin par... OMG, un chemin. Un chemin caché. Qui m'amène vers. De nouveau. Ah. Même juste vers de l'eau en fait. Oh non, un piaf. Moi j'aime pas les piafs. On dit tellement bas, hein. Ouais. Ah. C'est pas vraiment de l'eau, c'est plus du sang que de l'eau, on est bien d'accord, hein, mais bon. J'ai la flemme de me battre contre lui. C'est pas vraiment d'intérêt. Ah. Un mob qui va spawn. Un mob qui va spawn dans le sang. Alors, qui vient? Une rose de sang. Qui vient envahir mon monde? Masque blanc anonyme. Ah oui. Ok. Il est pas stunt. Le masque blanc anonyme ne rigole pas. On va descendre direct là? C'est par où tout à l'heure? Oui, j'ai fait le tour. J'ai fait... Ouais, je suis arrivé par là. J'ai la flemme de tous les retuer, hein. Franchement, j'ai fait une fois, c'était bien. J'ai pris des runes, c'était cool. Merde. Pierre de forge 6, un peu de la merde, mais bon, c'est pas grave. Merde, le mob va me voir si je passe par là-bas. Donc il est là, le masque blanc. Faut pas que je le bourre. C'est quoi ça? Ok, c'est une balance des abeilles. On comprend rien ce que ça fait. Pas grave. Masque blanc, tenue de médecin de guerre altéré, gant de médecin de guerre, pantalon de médecin de guerre. Masque blanc alors. Regardons le lore. Masque blanc maculé de sang affichant un léger sourire des médecins de guerre qui avaient en réalité pour mission de mettre un terme définitif aux souffrances des blessés. La malédiction du seigneur du sang vivifie le porteur lorsque le sang coule. Augmente légèrement la puissance d'attaque en cas de saignement causé à proximité. Oh. Oh. Comme ça c'est bien ça. Je perds un peu de dex mais ça c'est lourd ça. Ah oui. Ah oui, je meurs. Donc tunique blanche, machin, machin, ok. Ses médecins servaient le seigneur du sang, mais Schwer a dominé le sang vicié. Seul Varé y parvint, mais il fut une exception. Ok. Pareil du coup pour ça, et pareil du coup, j'imagine, pour ça. C'est ça. Stylé. Très très lourd. Le problème c'est que là j'aurais bien aimé avoir un peu la map là, de cet endroit là.
Attends, y'a un truc qui sort de l'eau là. Bordel. Oh merde, y'a des dogos, j'ai pas vu. Y'a un piaf là-bas, je m'en branle un peu. J'aimerais bien juste prendre l'objet qui est à côté de lui. Ça va pas être facile là. Ah, voilà, je vais juste prendre l'objet. C'était peut-être un peu greedy de ma part. Hein. Je vais où là? Attends mais... Ok. Je me disais attends mais... Y'a un problème là, c'est pas là que je cherchais à aller. Le petit chemin bien planqué là, c'est vraiment un truc de bâtard ça aussi. Cette zone a l'air d'être vraiment vénère. En fait le truc c'est que t'as la zone de neige juste avant, ensuite t'enchaînes sur la zone, le petit portail qui t'amène chez Mogwin. Mais j'ai déjà battu Mog, mais Mogwin ça doit pas être pareil du coup. Ouais, mais encore! Encore un mec qui va pop de nulle part là! Oh ça va frère, c'est bon. T'es fatigué. Parce que blanc anonyme encore! Ils veulent pas me lâcher, hein. C'est qu'ils sont un milliard en fait. C'est qu'il y a un milliard de chiens, gros! Et que les chiens me one-shot aussi après, hein. Rappelons-le, hein. Je me tue, moi. Je voulais lui faire le weaponard, je le tuais. Putain. C'est quoi ce bordel? C'est quoi ce bordel? Oh. C'est vraiment la teuf ici, hein. Ok, on y va. Le sang de la veine ici. Oh oui, c'est vraiment le sang de la veine là, on peut le dire, ouais. Mec, c'est vraiment le sang là. J'espère que j'ai pas réveillé les dogos cette fois. J'ai pas réveillé les dogos cette fois, donc ça c'est bien. Là, du coup, j'aurais juste le masque de sang à fumer là. J'aime pas où il est, frère. Ok, il se prend là-bas. C'est bon, on en peut plus des masques blancs anonymes, hein. Merde, merde, j'avais pas la voix. Je vais prendre l'arme de sortie. What the fuck, il change d'arme. Oh le bâtard, il a le temps de me taper, j'ai pas le temps de le balancer. Il swap d'arme le mec. What the fuck. Et merci à toi Sound Design pour ton sub grâce à Twitch Prime. Il a déjà fini le jeu une fois pour le faire en slip. Non. Juste que, bon. J'aime bien le défi. En plus, ça allonge ma durée de vie du jeu, c'est trop bien. Que du bénéf, hein, au final. Je vois aucun point négatif à ça. Allez, viens. Merci bien. Doigt sanglant vaincu. Ok. J'aimerais juste prendre l'objet et me barrer là. Voilà, pierre de forge. Bon, tout ça pour une pierre de forge de merde. Oh merde, j'ai réveillé tous les dogos. Oh merde. Y'a quoi dans le mur? Y'a rien dans le mur. Oh, je suis dégoûté, frère. J'ai fait un tour.
Il est en train de se battre avec les deux go, let's go. L'oiseau est en train de se battre avec les deux go, big. Ok, bon, je vais voler son item, c'est super. Ça va, l'oiseau plus le dogo, ça ne va pas. Et oui, je viens tout juste d'arriver au palais Mogwin. Me dites pas ce qu'il y a dedans, le bien qu'il y a Mogwin. Ce qui est logique. Qui n'est donc pas le même que Mog. Parce que j'ai battu Mog, le dépravé qui était dans les égouts. Bah y'a rien là-bas. Enfin, le problème c'est que. Juste qu'il y a peut-être un truc, tu vois. Ils auraient pas planqué un endroit comme ça pour rien. Après ils aiment bien sur les From Software, ils aiment bien ça. Planquer des trucs à la con. Mettre des vieux chemins de merde. Oh putain de merde. Oh putain de merde. Ok, ça sert à rien. Y'a legit rien du tout ici. Y'a juste des dogos de merde. Hein. Ça ne sert à rien. Il y a un monon contre l'oiseau. Frère, j'en ai rien à foutre de l'oiseau. Et là, il m'a backstab. Pas l'oiseau qui m'a tué, c'est les dogos. C'est bon, les oiseaux, j'ai trop la flemme. En fait, j'en ai déjà battu dans Kaelid et ça me fait trop chier à me battre contre eux. Je n'aime pas me battre contre ces mobs. Je sais pas ce qu'ils foutent, médecin du monde ici, là, avec leur. Oh merde. Oh putain. Laisse-moi m'en récupérer mes runes, après je me barre. Oi, oi, comment je me barre de là? Comment je me barre de là, pitié? Oh le bâtard frère, comment il bourre! Il bourre de ouf hein! Non, on arrive quand même sur de la zone qui est assez haut level là, non? Parce que les mobs je one-shot pas, donc je me doute que si je one-shot pas des mobs alors que je full damage, c'est que la zone est supposée être assez haut level. C'est ma supposition. Encore? Encore un médecin du monde là? Putain, mais il va me faire chier, faut pas qu'il me tue, faut que j'aille chercher mes runes, moi. Oh. Il est où le médecin du monde? Putain, encore. Aïe, courir. Non, j'ai perdu mes runes. Bon, en vrai de vrai, on s'en branle. J'ai voulu grid, je l'ai payé, c'est pas grave. Hein. De toute façon, des runes, en vrai, ici, si je veux farm des runes, je mets du poulet, je me mets un truc bonus de runes, bonus de machin quand je tue les mobs. Je reste ici, je fais 100 000 runes toutes les 5 minutes et c'est bon, c'est fini. Ça sert à rien. En vrai, on est d'accord, ici, c'est abusé. J'ai pas encore tout fouillé là-bas, là, à droite. Au fond, j'ai pas encore tout fouillé. Allez, sors de là. T'es où, mec? Ah, merci. Tout ça pour 300 runes, je suis dépité. Bon alors, j'ai été au fond. Il n'y avait rien.
Là, ici, il y a un objet devant ce piaf que j'aimerais bien lui subtiliser. Hop, je te le prends, je pars, ok? Allez, je le prends, je pars. Salut. Ensuite, je prends l'objet aussi. Oh merde, j'ai pas récupéré l'objet. Aïe. Laisse-moi prendre l'objet là. Talisman de dragon sacré plus 2, pas mal. Aïe. Il m'a bien graillé. Bon, au moins, j'ai pris l'item. Maintenant, il n'y a rien en bas, je peux continuer mon chemin. J'ai fait tout ce qu'il y a vers le lac, j'ai battu les 3 médecins du monde. J'ai pris les items qui étaient à côté du lac de sang. Mais en fait, le truc, c'est que la zone a l'air d'être grande quand même. Hein. Parce que je vais pouvoir aller vers en face et je vais pouvoir aller vers la gauche. Donc j'ai plusieurs opportunités. Là je peux aller tout droit. Là je peux aller tout droit. À gauche j'ai pris. Ok. On va tout droit. Alors si je vais tout droit, qu'est-ce qu'il y a? Un autre piaf. Ah non. Un cadavre de piaf. Ok, il y a plein de swank. Un de petit Sonic. Pierre de forge 8. Bon. À ce moment-là, les pierres de forge, c'est plus un problème vu que je peux les acheter avec, avec des runes. C'est beaucoup plus simple. Ah. Oula. Oula. Qu'est-ce que c'est cette merde? Qu'est-ce que c'est cette merde, frère? Wesh! Pourquoi il t'entend, lui? Ah c'est un mob. Ah c'est un mob qui invoque ça. Ah ouais. Ah ouais. Toi tu déconnes pas toi. Ah ouais. Putain les mages albinoriques. Waouh. Blague pas les cons. On va regarder un peu tout autour du lac ici. Qu'est-ce qu'il y a? On ira dans la grotte. On ira dans la grotte après. On va bien fouiller d'abord tout ce qu'il y a autour. Voir s'il n'y a pas des items que j'aurais pas pris. J'ai l'impression que c'est fine. Ah non. Voilà. Là-bas y'a rien. Là-bas y'a rien. Du coup, ici y'a un truc. Rune de héros, ok. Mais cette petite grotte, y'a un truc là. Pierre de forge de sombre 9 et 10 de sang. Ok. Donc ça, cette grotte, elle était worth à fouiller. Oula, oula, oula. Lâchez-moi, pitié. Ok. À droite, il y a une autre grotte. Avec un item qui est au fond. Et sans de mouche, un spell. Ok. Bon. On y va. Une rune dorée, merci messieurs. Et une pierre de forge. Merci messieurs. Bon, allez, dormez bien. Hein. Bonne nuit à vous. On y va. Et là, il y avait un chemin vers là-bas avec une zone assez grande. Il y a l'air sus. Item au fond. Un arc runique. Bon, on va en utiliser hein, les tant qu'à faire. On les utilise tellement jamais que vas-y, tiens. Oh non, il rappelle un pseudonyme. Ah. L'arc unique n'a pas servi à grand chose. Le problème, c'est que lui, il appelle le Susano, lui. Il est trop énervé. Hein. Ok. En soi, dans l'endroit où il y a les albumeriques, j'ai l'impression que c'est fine. J'ai l'impression qu'on a fouillé. Ok. On a fait de manière correcte. Bon, l'arc unique a servi à rien, on est bien d'accord. Tranquille. L'arrêt à clair, on s'est environ vers 17-18h. 17h30, je pense. Il est quelle heure là? Je sais même pas, il est quelle heure. Puis là, je joue depuis tout à l'heure. Je vois pas le temps passer. Je suis en full geekage. J'en ai rien à foutre.
Je kiffe ma vie. J'explore des nouvelles zones à chaque fois. Et je me perds en boucle. Donc lui il appelle où? Lui il appelle le Susano, je fuis. Allez mec. Allez, force à toi. Force à moi plutôt. Il y en a un autre qui appelle le Susano ici. Non, lui, je le tue. C'est lui qui m'a tué tout à l'heure. Voilà, c'est bon. C'est lui qui m'a tué tout à l'heure, donc je le tue quand même. Question d'honneur, un minimum. Il y a un chemin dans l'arbre. Vision de mort. Oula. Ah, mais attends, mais il y a un château en fait en face. Ah ouais. Merde, mais est-ce que c'est là que je dois aller? Si c'est là que je dois aller, ça me fait chier parce que je veux pas aller là où je dois aller. Je vais d'abord fouiller tout avant. Y'a rien en fait, y'a pas de château ici. Non, y'a rien. Ah, y'a un mob. Mausolée de la dynastie Ogwin, ok. Carte, palais Ogwin, nice. Ça c'est bien ça. Bon. Voilà, y'a un site de grâce ici. Ok. Bon, le problème c'est que là j'ai pas fait... En fait j'ai fait ça et j'ai été à gauche instant, non? Alors qu'en vrai, j'aimerais refouiller un peu. J'aimerais refouiller un peu ce que j'ai loupé. Parce qu'il y a un endroit où j'ai pas été, j'en suis sûr. Il y a la partie en face. Bon, la partie qui est juste en face, là, j'ai pas fait. Ah mais si, en fait, ça fait le tour et t'arrives là. Mais j'ai tout fait, en fait, c'est bon. Les grottes, j'ai loot dans les grottes, c'est bon. À moins qu'il y ait des... Ah non, du coup, j'ai tout fait. En vrai, oui. En vrai, oui. Oh, c'est bon. C'est validé. C'est validé. Sauf s'il y a des grottes secrètes avec des murs secrets que je n'aurais pas vu. Sinon, je pense que j'ai plus ou moins fouillé tout ce que j'avais à fouiller. Ok. Regarde à gauche s'il n'y a pas un endroit où... Voilà. Donc à gauche c'est le mausolée. Et à droite j'ai déjà fait parce que je viens de là. Ok, bah c'est bon. Aïe. Aïe mec. Bon, Osef. Ok. Bon, faut au moins que je le tue lui. Je vais lui montrer au moins à lui, il fait trop le beau là. Ah mais il y a un item au milieu, attendez, il y a un item juste à côté en plus, parfait. Quand même, il y a un moment, il y a une question d'honneur quand même qui rentre en compte. Il y a un item au milieu de la zone, je vais le prendre. Donc il y a un item là, à moins que ce soit un item que qui n'existe pas vraiment. Non si, il y a un item hein. Ah ça, c'est ce qu'il me semblait. Non, il y a un mob à gauche. Voilà, et c'est lui. Lui que je dois tuer. C'est toi qui m'as tué tout à l'heure, mon gars. Voilà, lâche ça. Merci bien. Bien mignon. Papillon naissant, je m'en bats les couilles. Oh, MG. Backstab, on aura le temps de rien faire. Genre, il a le temps d'invoquer son truc. Hein? Attends, pourquoi il y a un Susano qui a pop alors qu'il a même pas fait l'incantation du Susano? Quoi ce bordel? Tu le backstab, ça sert à rien. Ok, bon, c'est bon. On s'est vengé. Et le pire, c'est que le Susano le tape lui-même. Ça n'a aucun sens. Il invoque un mob qui le tape lui-même. Il est trop con. Vérifie vers le côté s'il n'y a pas un petit truc qui traîne. Comme d'habitude, sait-on jamais. Une nuit fort droit devant. Oula. Oula.
Ouais, super. Nos attaques augmentées. Super, les gars, j'ai plus de potions. C'est grave utile. Ah. Aïe. Après, ça va. Si je saigne, c'est worse. Attends, mais ça me fait même pas perdre mon shield, le saignement. Et si je fais plus de dégâts, donc ça me va. Oh non, mais là, c'est bon, j'ai la flemme, frère. Vous êtes un milliard. Bon, attends, en plus, c'est des suicidaires. Hein. En plus, ils sont là, ils sont kamikazes. Attends. Parce qu'il y a pas un mur caché. Ok. Ah. Là, c'est des messages Bales. Ça, je reconnais les messages Bales. Oh, OMG. Je me disais qu'il y avait un truc à bourrer là. Et tout, c'est une récompense banger en vrai. Non, tu trolls. Non, tu trolls. Tu sais quoi, je vais tous les tuer. Si c'est faux, gare à toi. C'était une blague. En plus, c'est trop long, il y en a tellement. Hein. Bon, je comprends pourquoi des fois il fait direct. J'ai l'impression que c'est quand il se tienne la tête. Surtout qu'ils donnent que dalle les cons hein. Ils donnent vraiment rien hein. De Numen, là-bas c'est le lac. Ok, lac de sang. Et imagine les mobs donnaient 2000, je serais le roi du monde. Là où le sait, ils donnent 289. Si c'était petit Zaldinori qui donnait 2000 là, c'est le bonheur. Il y en a vraiment beaucoup en plus hein, c'est vraiment Il y a l'impression que la rune humaine, je crois que c'est celle qui donne 50 000 non? J'en ai déjà eu des runes de humaine. Ah tout s'est tué hein. Oh merde. Oh merde. J'ai dit moi par contre. C'est quoi ce truc? Ils sont tous morts. Alors maintenant. On va le taper quand même. Ouais, j'ai un peu chaud de taper ce truc. Pas toutes les tuer hein. Le problème c'est que si je les tue pas toutes, je saurais pas si je les tue toutes il y a un truc. Et je sais pas s'il faudra faire ma bonne la personne. Combat à distance nécessaire droit devant. Et en effet, il y a du piaf. Attends, mais j'ai été là? Oui, j'ai été en bas, c'est de là d'où je viens. Wow! Après, il y en a bientôt plus, hein? Ils sont bientôt finis tout là, hein?
J'ai rien compris, c'est les runes. Ah ouais, si les runes. Si les items. Non, c'est pas si long à tuer. Non, no fake, ça va. J'ai vu pire. J'ai eu des mobs plus relous à tuer que ça. Ceux-là, ça va. C'est gentil. Oh putain, mais ah, en fait, non, vous avez raison, il y en a trop. Il y en a beaucoup trop. Merde. Oh non, mais d'accord, c'est bon. C'est interminable, il y en a un milliard, vous avez raison. Oh putain. C'est bon frère, j'ai la flemme. Allez c'est bon, tu sais quoi, le mec qui a dit, si jamais tu les tues tous, il y a une récompense. Je sais que tu trolls, tu seras épargné cette fois parce que je les tuerai pas tous. Ah, il y en a un milliard, il y en a vraiment un milliard. Tu seras épargné pour cette fois. Il me reste plus beaucoup là, j'ai trop la flemme. Essayez de se précipiter dans la mêlée. Ah, elle joue court, c'est ça? Ok. Il n'y a rien, mec. Oh, un peu de musique. Oh, qu'est-ce qui se passe là-bas ou pas? Oh, t'as du flow, toi, mec. T'es stylé, mec. Je sais pas qui t'es, mais t'es stylé. Avec une petite musique derrière, franchement. En propre. Oula. Ah, mais il tabasse le con hein. Il a un petit bâton, il a un petit peu bah il a le bâton de un peu le même gameplay que Mog mais en plus en miniature. J'aime bien, j'aime bien. Du coup, je capte pas. Du coup, c'est la famille de Mog ça. Ça de ses fils et tout. OMG. Oh, le coup de bâton de fou, il est vif. Il est vif le coup de bâton. Mais si j'ai bien compris le lore, Mog, c'est un mec qui était de la haute, mais qui finalement, bah du coup forcément vu qu'il est né en tant que pouilleux là, en tant que tout moche là, eh bien il a fini dans les égouts alors que Morgoth, lui, il s'est dit j'en ai rien à foutre. Et du coup il s'est dit je veux avoir le trône. En marchant. Comment ça, y a des marchands ici? Alors, est-ce que tu as des clés? Merci. Voilà. Comme d'hab, on achète les clés. Les clés de l'âme de pierre, c'est toujours utile. J'en ai plein maintenant. Y a pas de problème. Wesh. Qu'est-ce qui se passe là? Encore? Je dois pas les mettre de hit en fait. Ils sont chiants, hein. Oh, un item rare. Rune de seigneur. Il y a quoi? Il y a des petits ennemis de mort. Ok, il y a full mob de merde. Laisse-moi fouiller avant. Attends, est-ce que j'ai vraiment tout bien fouillé?
Là, il y a un petit chemin, j'ai l'impression. Là, il y a un petit chemin. Ah, évidemment. Qu'est-ce qu'il est ? Wesh. Le mob. Il y a un mob qui a pop, je sais pas où il a pop. Ok, bon, ça va, on avance, hein. Ouais, c'est que si je m'avance là-haut, c'est peut-être le chemin. Le véritable chemin. Le mob derrière moi, attends, mais. Il y a qui a pop derrière moi, là, je suis pas fou. C'est bien ce qu'il me semblait. Oh. Je fais que attaque sautée. Voilà, triple attaque sautée, on les tue. 6000 par contre, c'est énorme. Hein. Ils donnent vraiment, vraiment beaucoup. Bon, avant d'aller fouiller vers le haut, j'aimerais fouiller vers là où il y a les mobs. Attends. Attends, mais là, si je redescends, je suis où là? Ah, si je remonte, je sors? Attends, mais je suis où là? Ah! Boss en face. Boss en face, très certainement. Donc, je vais attendre avant d'aller là-bas. Je vais d'abord finir de fouiller la grotte. Non, t'inquiète, ouais, non, t'inquiète, si. Je vous connais, bande de salopards, hein. Waouh, ah oui. Grand muguet fantomatique, j'en ai rien à foutre. Sans tupette doré, j'en ai à foutre. En fait, y'a rien en fait en bas. Ouais, ouais, en bas. Y'a que dalle. Il n'y a littéralement que dalle en bas. Donc. Est-ce que j'ai vraiment bien tout fouillé? C'est ça la question. Donc je suis arrivé ici tout à l'heure. Est-ce que j'ai vraiment bien fouillé la grotte comme il le faut? Je vais redescendre. J'ai pas été là. Si. Et si, là c'est de là d'où je viens. Là c'est de là d'où je viens. A gauche il y a le marchand. Ok. A gauche il y a le marchand. A droite il y a le chemin. A droite il y a un bord. A droite il y a les morts vivants. Donc si je réfléchis bien, j'ai tout fouillé. C'est bon. C'est bon, on a tout fouillé. En bas où j'ai un petit doute, mais je pense que non, c'est bon. T'as pas fait à gauche. Si, j'ai fait à gauche. Il y avait le marchand. T'as pas tué tous les zombies. C'est vrai que je n'ai pas tué tous les zombies. C'est vrai que ça, n'a pas été fait. Donc allons-y. Avançons-nous. Oh là. Fuyons vers le bord. Toujours regarder vers le bord avant. Avant d'aller vers le centre, toujours regarder vers le bord. Et pourquoi il y a un culte à une statue là? Oh. Ok, donc s'il y a un ascenseur, je vais vérifier avant. Je vais leur voler leur truc. Je vais leur goûter. Oh là. Ah, ok. Donc pour leur voler leur goûter, il faudra d'abord que je leur passe sur le corps. Parce que bon, pour prendre ce coffre, il faut le mériter, hein. Putain. Il faut vraiment le mériter ce coffre, hein. Racketeur, racketé, je te jure, ça a pas du tout marché. Il est pité. Aïe. Bon, en vrai, Osef, j'avais quoi, 24 000 runes, on s'en fout un peu. Putain, j'avoue que les gamins, frère, ils se défendent bien. Hein. C'est lui qui est en train de me racketer, je suis dégoûté. Sport là. Aïe. Je
Non, mais vas-y frère, laissez-moi voler votre goûter. En vrai là j'aurais pu courir et leur raqueter leur goûter. Tu l'as goûté. Le spin dash qui nous hante même sur Elden Ring, je te jure. Le spin dash, hein. Quelle couche. Ah, je crois que ça réveille tout le monde là. Allez, venez, venez tous. Je viendrai vous voulez vous goûter après. Non, le problème c'est que leur grand frère il est pas venu. Ils peuvent pas se mettre des piques entre eux. En moi. Faut qu'il me baisse mon armure. Quoi? Oh merde, il sort d'où lui? Oh merde! Putain, le bâtard, il était en train de sécher les cours, il est revenu. Il a vu qu'il y avait embrouille. Il est venu protéger ses potes. Dégoûté. C'est bon mec. Voilà, le premier là-bas, on run après. Oh le spin dash, oh le spin dash, oh bordel. Voilà, et lui c'est lui que je dois tuer. Et une fois que je l'ai tué lui, je peux tuer les autres. Putain mais il a un kit quand même hein. Oh oui, il a un kit quand même hein. Il a un petit flow lui hein. Vraiment c'est mauvais quand il se tape. Attends mais wesh. Je connais cette arme hein, je l'ai aussi. Je connais cette arme mais je connais ce set. Bizarre. Je crois que j'ai déjà battu ton daron mec. Allez, on roll. Voilà, c'est lui que je veux. Voilà, maintenant faut que j'arrive à passer au milieu de tout. De tout, c'est fou. Maintenant que j'ai tué le grand frère, faut que j'arrive à passer au milieu de tout, c'est fou. Et que j'aille chercher le coffre. Je vais leur voler leur goûter là. Oh merde. Oh merde. Il y a des pics de partout. Vite, 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 vite. Le goûter. Allez. Let's go. Ah oui, c'est worse. C'était totalement worse. C'est bon. Je leur ai volé leur goûter. Je me barre de là. Salut les ploucos. Ça va où? C'est une bien belle zone. Oula. Du coup je suis ici sur la map. Je suis dans la Siofra mais côté sud. Ok.